L'ange numéro 33, Yehuya. Il régit du 3 au 7 septembre. Il est l'ange de la subordination. Son énergie nous enseigne l'importance d'une autorité juste et constructive au sein de toute structure. Il nous permet de rester stable et solide lors de périodes de haute tension initiatique. Il peut nous aider dans les moments très difficiles. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Subordination. Autorité juste et constructive. Leadership de haut niveau. Bonne dynamique de travail avec ses supérieurs. Capacité de créer un esprit d'équipe et de travailler en collaboration étroite avec des personnes importantes. Faculté de comprendre globalement la structure d'une entreprise, d'une mission, d'une réalité, etc. De planifier des projets importants, d'assumer de grandes responsabilités. Appréciation, reconnaissance et confiance de la part des supérieurs. Inspire la confiance et la loyauté. Aptitude à supporter de hautes tensions des initiations puissantes. Aide à lâcher prise, écarte les confrontations. Fidélité à ce qui est supérieur, honnêteté. Capacité de reconnaître la véritable hiérarchie. Conscience de sa place dans l'ordre cosmique. Permet de démasquer les traîtres et de découvrir les machinations. Soutient les initiatives altruistes. Induit le sens du devoir. Donne lieu à des découvertes scientifiques. Personne de confiance. Engagement, contrat, alliance, association philanthropique. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes avec cet ange. Insubordination, problème avec l'autorité et la hiérarchie. Rébellion. Confrontation, résistance ou refus d'exécuter les ordres, agressivité. Ne supporte pas la hiérarchie. Écarter ou retirer des postes de commande. Confronde. Les ordres d'en haut. Perversité, désir, multiple, manque de fermeté et de force morale pour faire ce qui est juste. Marginalité, quête de l'inutile, abandon.
conflit, trahison, inscrite dans le code génétique, dans l'inconscient, mépris. Sentiment de supériorité et d'infériorité. Plaisir mondain, tendance à abuser des privilèges. Manque de loyauté, trahison. Problème d'ego. Impose sa volonté et sa présence, comportement dictateur. Rigidité, colère. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Agression, alcoolisme, imposé, jambe, rebelle. Douce pensée angélique.